Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Surge. Hop, désolé, je repars avec ta jambe. On va donc tenter, chers amis, d'aller un poil plus vite. J'ai pu suivre plus ou moins certaines indications. J'essaie de pas me spoiler, de pas aller sur les... J'essaie d'aller plutôt sur des forums en fait plutôt que d'aller... Merde. Plutôt que d'aller sur des sites de Solus. Ce qui me permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'information que je trouve en fait finalement, hein, tout simplement. Hein. C'est rien de plus compliqué. Allez Simon. Allez. Allez, je sais que tu veux me tuer. Merci. C'est pas celui-là que je voulais utiliser. J'ai donc utilisé un machin. Que je n'ai pas en quantité illimitée. Désolé. Voilà. Alors. Plus personne ici. Ça c'est cool, on m'a dit de me laisser tomber ici précisément. Et donc on m'a dit que là c'était la vie. Mais alors est-ce que la vie elle est là ou est-ce qu'elle est là-bas? Je vais descendre. On va bien voir. Écoutez, apparemment il y a des secrets dans le coin, donc c'est sans doute une bonne nouvelle. Ah putain! Qu'est-ce que c'est que cette armure? Qu'est-ce que c'est que cette armure? Vous avez vu ça? Oh la vache! Le mec que j'ai buté juste devant avait une armure. Par contre, ils se tapent entre eux. Vous avez vu la forme de la tête? Elle a une tête d'alien. Vous savez, les aliens avec les têtes très allongées. C'est quoi ce bordel? Ah non, mais là, je vais en apprendre plus, là, du coup. On va essayer, on tente. Hein. J'ai zéro, tant pis. Hein. C'est que dalle. Aïe. Question, vont-ils me suivre jusque là? Aha! En tout cas, je suis extrêmement surpris de l'armure de cet homme. C'est pas celui-là. Attention. Allons-y, un par un. Apparemment, ils sont nombreux, c'est juste qu'on n'a pas eu de chance. Putain, regardez l'armure! Regardez la tête! Ah non, mais ça, je fais la coupe. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mes pieds détachés, pardon. J'ai pas eu la tête. J'ai pas eu droit à la tête. Dommage. Ok, c'est pas grave. Ils sont balèzes. Ils sont balèzes, mais ils sont morts. Je devrais pouvoir atteindre
Il y en a encore un. Il y en a encore un. Ils sont nombreux, hein. Nom de Dieu. Cet homme est complètement coincé en plus. Merde. Apparemment, je peux. Alors, j'ai pas le niveau pour la surcharge. Malheureusement. Je suis très très loin d'avoir un niveau 60. C'est quoi ça? Module de choc. Votre drone accélère à grande vitesse et percute violemment. Ouh! Ça me plaît ça. Alors, je continue à descendre, on va bien voir. Hein. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Alors, je clique quand même. Hein. L'objectif étant de ne pas me faire surprendre par un ennemi qui se serait caché. En train de me dire que c'est... La porte ne peut pas être ouverte pour l'instant. C'est parce que j'ai pas le niveau de... Ok. Bon, en soi, c'est pas méga grave. Mais ici, il y a des mecs qui ont des armures que je ne connais pas. Ça, ça me fait bien plus chier, par contre. Tout comme j'ai l'impression qu'en fait, ça... Ça remonte là où il y a mon ascenseur, en fait, plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est juste à côté de l'infirmerie. Mais bon, on verra si je me trompe ou pas. En tout cas, pour l'instant... On va retourner à gauche. Je l'ai eu. Donc à gauche j'y suis allé. Là je n'y suis pas allé. Ok. Il y a un ascenseur. Je monte. Tête bouche. J'aurais peut-être dû, cela dit, hein. C'est quoi ce truc? Ce bordel. Pourquoi tu m'ouvres pas la porte? D'accord. Il y a un mec vénère en bas. Il y a un secret juste en dessous. What? What? Depuis le début, j'ai un secret juste en dessous de moi. Merci le jeu. Parce que j'ai des choses à améliorer. J'ai rien à construire en plus. Là, je peux pas l'améliorer, ça non plus. Ce qui m'emmerde. Mais alors, attends. Veillez sur vos collègues, ils veillent aussi sur vous. Coucher. Merci. Ça, c'est quoi? Alliage Tankten MK2, d'accord, ok. Et donc, c'est tout ce que ça me donne, finalement. Ok. D'accord. Pose non autorisée. Ta gueule. Bon, on me dit ça, mais c'est non. Non, non, tu peux aller te faire foutre. Ah là là, Ok. Bon bah... Voilà, hein, je peux pas faire autrement. Est-ce que ce truc-là est vraiment la meilleure des choses que j'ai? En fait, je crois que j'ai des problèmes avec une touche de ma manette. Surtout ça, le problème, en fait, de la parade.
Câblage. On augmente la santé maximale de la France allemande. Oui, non, 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 oui, non. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant aussi, hein. Un bonus de dégâts élémentaires, mais j'ai pas de dégâts élémentaires. Ça qui me choque en fait, c'est que j'ai pas de dégâts élémentaires. Oh, ça par contre c'est intéressant. Eh ben je vais l'équiper. Parce que ça veut dire que j'ai plus de... Voilà, j'en ai 6. C'est ce qui est assez cool. Où est-ce que j'améliore le drone? Non, ça doit pas être là. Où est-ce que j'améliore le drone? Le drone. Je croyais que ça allait être là. Ça ne l'est pas. Où améliorer le drone? Ok. Quelque chose me dit que c'est pas ici non plus. Ah! Là. C'est pas là. Fragment, c'est pas là. Organizer. Non. Donc je sais pas où améliorer le drone, c'est cool. Merci le jeu. Revenez quand vous voulez. Mais alors du coup, attendez, parce que ça veut dire que j'ai aussi du coup un gros passage secret. Enfin pas passage secret, mais raccourci on va dire. Ici. Puisque je peux rejoindre très rapidement. Cette zone. Ouverte. Je regarde s'il n'y a pas, vous savez, des trucs pour descendre en fait finalement. Comme toi, hein. Et là, la porte, je peux pas l'ouvrir non plus. Là non plus. Et heureux, chers amis. Bon, ça m'aide toujours pas. Je pense qu'il faudrait que je sois niveau... Faudrait que j'arrive à grimper niveau 60 pour améliorer le truc, quoi, en fait. Je crois que c'est ça, ce que le jeu veut que je fasse. Ce qui, je l'admets, me pète assez les couilles. J'essaie de me souvenir à peu près de où est-ce que je viens, où je suis allé. Pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un. Quelqu'un de spécial. Chez Créo, nous nous soucions de votre bien-être à la fois. Le chien du voisin. Chez Créo, vous avez plus qu'un travail. Vous avez une famille. Bon, je vais pas aller par là. Circulez, y'a rien à voir. Autant pour moi. Eh bien.
Allez, refais-le. Non, ça je connais. Allez, viens. Dégage. Voilà, merci d'être venu. C'est toujours sympa de faire affaire avec toi. Petit tas d'éléments high-tech recyclables. Ouh, ça a l'air sympa visuellement ça. Enfin, en termes de nom, si je puis dire. Faudrait qu'il vienne par là, lui. Merci d'être venu. Ton bras m'appartient. Je veux bien descendre, s'il te plaît. Merci. En espérant que le robot d'Aran ne m'ait pas vu. Qu'est-ce qui te plaît pas à toi? Ton bras m'appartient aussi. J'aime bien couper les bras des gens apparemment en ce moment, c'est rigolo. Oh. Ça par contre c'est intéressant. Erreur de ma part. Erreur de ma part, vas-y, fais ton petit coup avec l'essence. Vas-y, viens par là. J'ai besoin de tourner autour de toi. Voilà. Excuse-moi, j'ai pas été là quand tu l'as fait. Ah. C'est pas bien grave. Je me suis pris un petit coup, mais c'est pas excessivement grave. Compte tenu du fait qu'on ait réussi à passer. Alors je pense que la suite va être par là. Et ce qui veut dire que ça va être une véritable catastrophe. J'en ai tiré deux. Génial, autant pour moi. Merci pour ta tête. Ok. On profite d'être full énergie pour continuer le combat. Allez, viens. Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des champs. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Boum. C'est bon. Oh, il a... Regardez l'armure. Putain, j'ai coupé un truc. Je... Protège-bras scarab cassé. Scarab. Armure scarab. Putain. J'ai tout su. Force... Ouh. Il est mignon, le bonhomme. Bisous, Iron. Pas le niveau 70, hein. Non mais arrête, Marcus, t'as pas le niveau 70. Ouh. Oh, tristesse. Je peux pas interagir avec. Interagir, pardon. J'ai envie de dire interagir. Interagir avec. Caca. Bouddha. Et mais la porte est pas activée. C'est ça le truc que je capte pas. Pourquoi? J'ai l'impression que j'ai oublié un truc. C'est chiant. Oh, je reviens. C'est chiant, mais je reviens. Heureux, chers amis. Bon, bah, je sais toujours pas trop quoi faire. Je pense qu'on va revenir sur nos pas. C'est chiant. J'ai pas envie d'aller voir une soluce. Du coup, j'irai pas voir de soluce. J'essaie de chercher sur les forums, mais je trouve pas pour autant ce que je cherche. Est-ce que c'est par là? Attendez. Non, par là, ça mène à rien. C'est... Apparemment, j'ai un problème d'électricité. Il y a un courant que j'ai pas quelque part, et du coup, j'arrive à rien faire avec, quoi.
Là, je trouve que ça avait bougé là. Je vais pas te faire un tour de con quand même là. Oh là là. Attendez, il y a un truc là. Attendez, c'est moi qui suis bête. Là, il y a un truc. Oh nom de Dieu. Il est en haut le secret. Attention, s'il y a un bonhomme à droite. Petit tas de matériaux recyclables rares, pardon. Pourquoi pas? Ou un deuxième? Apparemment, il y aurait quelque chose dans le coin, mais je le trouve pas. Là, il y a une porte ouverte. Meurs! Ah, ça y est! Je l'ai eu! Wouh! Merci d'être venu. Et donc, ça, c'est. Putain de matériaux rares aussi. Mais c'est pas ça que je cherche! Par contre, le mec a fait des boucheries, quoi. Faut dire ce qui est, hein. Le mec s'amuse à faire des grosses boucheries. J'ouvre la porte qui me mène à. Plus de danger, je présume. Un truc, ça se trouve j'ai loupé un truc juste ici. Wouh! Et encore un petit tas de matériaux d'éléments high-tech recyclables. Ça change. Là, y a du courrier. Alors Ferguson nous lâche et après il se la joue. Allez mon pote, viens à ma fête. Qu'il aille se faire foutre. Faut l'entendre. Salut les gars, pour info la semaine prochaine c'est mon anniversaire. Il se prend pour qui? Après ce qu'il a fait. De la porte. Il y aura plein de gâteaux, alors ramenez-vous dans la zone 12. Il a cassé tout fait avec. D'abord, c'est mon ombre. Ensuite John et maintenant les salaires. S'il croit qu'on va oublier et laisser pisser, il s'est passé quoi là? Un de ces jours, je vais attraper un de mes outils et lui remettre les idées en place. Essence. Allez, viens. Wow! J'ai réussi à la voir. Faut que j'arrive à la voir lui maintenant. Allez, allez, tourne. Merde, c'est pas ce que je voulais. C'est bon, je l'ai eu. Wouh! C'est la fête du slip.
Donc il était là, regardez, avec le canon. Il me tirait dessus par derrière. Comment je fais pour grimper? Là, je le fais pas, apparemment. Ah putain. Oh, le petit stress. Omniboost tactile. Ok. Ça m'avance toujours pas dans le jeu, c'est ça qui m'emmerde en fait. Et donc là, j'attire tout le monde. Eh bien. Boum. Ok, ça prendra. Je vois pas où je suis. Je vois pas du tout où je suis. Mais viens! Boum. Merci d'être venu. Ok, ça continue. Putain, je l'avais pas vu, lui, il vient d'où? Allez, hop! Meurs, charogne! Aïe! J'ai bien me laisser passer! Putain! Il m'a coincé dans un coin, quoi! Oh là 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 là! Je me casse les couilles pour rien, j'ai l'impression! C'est chiant, chers amis, c'est chiant! Je viens de perdre 8000 pièces, j'imagine 6000 pièces. J'en ai combien sur moi? On va aller voir si. C'est là qu'on va voir si c'est rentable ou pas. J'en avais 5000. C'est juste, hein, en termes de rentabilité. Je sais pas ce que vous, vous en pensez. Je peux toujours pas améliorer ça. Ça non plus, ça non plus. Donc, pour l'instant, en termes d'amélioration, c'est un peu la dèche. J'ai débloqué des nouvelles choses, des nouveaux implants. On va aller voir ce qu'il y a. Alors, consommation de gain d'énergie. Ah. Ouh, ça peut être pratique. Arme à une main, bâton et arme lourde. Dommage. Je vais mettre ça. Clairement, 20% d'énergie en plus, ça va être la fête du slip. Voyons voir si c'est vraiment si efficace. Putain, j'ai déjà une... Ah oui. Si, si, c'est efficace. Si, si, c'est efficace. Tellement efficace que j'ai envie de tenter un truc. On va pas s'amuser. On va pas tenter des choses farfelues. Enfin, on va tenter des choses farfelues, plutôt. Justement. Merci. Voilà. Ah, c'est le temps qui monte dans... D'accord, ok. Ok. Et là, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que tu vas faire de farfelu, Marcus? Qu'est-ce que tu veux faire comme connerie encore? Et bah, de la merde. Bonjour madame. Oui. C'est juste histoire de voir. Il a aucun point faible? Putain, il a aucun point faible lui.
Lui non plus. Allez, venez les filles, on y va. Oh la vache! C'est pas possible! Bon bah tant pis, on aura essayé, chers amis. On se laisse là pour cette vidéo, merci d'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens!